Ken d'or, Linamix, Ken d'argent. Né du croisement des deux chefs de race, Ken d'argent représente la nouvelle génération des étalons améliorateurs français de cette ligne émale si prolixe. Déjà auteur de débuts spectaculaires en 2011 avec sa première génération de 2 ans, issue d'un carnet de balles pourtant réduit à seulement 19 poulinières, Ken d'argent a réussi le difficile pari de confirmer en 2012 avec ses 3 ans et sa deuxième série de 2 ans. Ainsi, au 15 novembre 2012, Ken d'argent a atteint le score de 5 produits Black Type, donc 4 vainqueurs, avec ses 2 premières générations en piste. Mais donc Monsieur Parent a toujours énormément cru en son cheval, tout en sachant que Ken d'or et Linamix étaient quand même 2 leaders du parc étalon français pendant très longtemps. Et Monsieur Parent s'est toujours dit que ce cheval ne pouvait pas ne pas réussir au hara. Et c'est vrai que les débuts ont été assez compliqués parce que les éleveurs n'y croyaient pas, étant donné que le cheval n'était ni gagnant de groupe ni gagnant de liste d'adresse. Et heureusement qu'il faut des éleveurs justement qui croient en leur bonne étoile et qui se donnent les moyens d'investir et de réussir. Lui qui fut un spécialiste du mile, gagnant à Maison Lafitte devant Champs-Élysées, puis dauphin du prix Paul de Moussac, groupe 3 et tout proche 4e du prix Jean Bratt, groupe 1, il a produit sur un vaste panel de talents qui va de la vitesse précocité, avec des gagnants de groupe à 2 ans, jusqu'à l'obstacle, puisque son premier partant sur les haies, Virgen de la Plata, a gagné à Auteuil. La première année, le cheval a eu 7 partants, 5 gagnants, donc ce qui est super, et dont 2 Black Type, Ken d'Am et Rissa d'Argent, voilà, gagnant de groupe, toutes les deux à 2 ans, donc ça c'est assez génial pour l'année 2011. Ken d'argent a ainsi grimpé 4 à 4 les marches de la notoriété, objet d'une syndication qui réunit de très grands propriétaires éleveurs internationaux comme les Wertheimer, Wildenstein, Fabre, Yoshida, Saint-Père, Niarcos et bien d'autres. Il est passé des 19 prétendantes de ses débuts en 2008 à 142 juments saillées en 2012. Ken d'argent fait la monte au haras de Colville à quelques minutes de Deauville dans le Calvados.